Salut, je suis Hu bienvenue. bienvenue. Dans le programme général pour l'enseignement international du chinois, à partir de HSK3, vous allez trouver les structures avec Ba, Ba qui est un point très important. Vous les trouverez certainement dans HSK3, HSK4, jusqu'à HSK6, selon les degrés de complexité donc aujourd'hui, je vais vous expliquer la base de cette structure ainsi que euh, la structure avec le mot P, qui est qu'on peut considérer l'inverse de euh, structure de PA. C'est parti. Ce sujet, je vais vous expliquer en trois parties. Première partie, c'est euh, pourquoi ou quand on doit employer PA de Ensuite, comment employer パチチュー et ペチチュー? Et troisièmement, quand on employait パチチュー ou ペチチュー, quelles sont les choses qu'on doit faire attention? Donc, commençons par la première, pourquoi on doit employer パチチュー? Alors, パチチュー est surtout pour accentuer sur le résultat ou l'influence d'une action, ou alors pour faire une demande, voire commenter quelque chose. Ensuite, nous allons voir comment employer pa La structure, c'est sujet plus PA, plus objet plus un verbe, plus s'il y a d'autres particules ou d'autres objets. Exemple, MAO-PA-YU-CHI-LE, mao pa yu chi c'est le chat, YU, c'est le poisson, tu c'est le verbe manger. Donc, sujet, c'est MAO qui donne l'action "吃". Et objet, c'est lui qui reçoit l'action. Donc sujet plus pas, plus objet, plus verbe. Le, c'est une particule pour dire une action qui est finie. Donc cette phrase, ça veut dire le chat a mangé le poisson. Deuxième exemple. Mémé, pagnonai, wan, la mais, mais c'est petite sœur, donc c'est le sujet, c'est aussi le nom qui euh, donne l'action. Nianai, c'est l'objet qui veut dire du lait. He, hein? c'est le verbe qui veut dire boire. Wan le. C'est un complément supplémentaire pour dire l'action est finie. Hein? Donc cette phrase, ça veut dire petite sœur a bu le lait, a fini de boire le lait. Troisième exemple. Ta ba shu fang zai jo zi shang. Ta, pas chou, zai ça, zi chant. Ta, il chou le livre. Femme, c'est le verbe qui veut dire poser, déposer quelque chose. Ça, chose chant, c'est sur la table, hein? en dessous de la table. Donc, cette phrase, ça veut dire, il a posé le livre sur la table. Hein? Quatrième exemple, c'est une phrase impérative avec pas Donc, on va voir l'exemple. 请把手机关掉.请把手机关掉. Donc, c'est une phrase, où souvent, vous pouvez entendre dans l'avion, par exemple. Qing c'est veiller, c'est un, un mot de politesse. 把手机, c'est téléphone portable. 关掉, c'est éteindre, hein? Donc, ça veut dire, veuillez éteindre euh, le téléphone portable. Donc, ça c'est une phrase impérative en employant PA. Ensuite, on va voir la structure avec P qui est des phrases passives. En effet, on inverse juste le sens de sujet et l'objet comme dans les PA. C'est-à-dire, le nom en tant que sujet dans les PA. Il devient objet dans les phrases PA. Et le nom en tant qu'objet dans les bases il devient sujet dans les phrases. Be, zhi, ju, hein? Vous allez tout de suite comprendre euh, quand on fait l'exemple. Donc, le premier exemple, la, la première phrase, c'est U, hmm. B, Mao, La. Vous voyez, U, euh, c'était l'objet dans les bases Maintenant, dans les phrases passives avec p U devient sujet. Non, cette phrase, ça veut dire « le poisson est mangé par le chat ». Le même principe pour le deuxième exemple « Alors dans c'est passif, c'est « le ».« ça veut dire « le lait est bu par petite sœur ». can't i but 还 i 一个例子，example，e s 说书被他放在桌子上。书被他放在桌子上。Ça veut dire le livre est posé par lui sur la table. Enfin, il y a quelques points importants à tenir quand vous employez les phrases Bazedju ou Bazedju. Le premier point, c'est euh, tous les verbes ne peuvent pas utiliser pour faire des Bazedju. Alors, parmi les premières catégories de verbes intransitifs comme Shuetia, dormir, Luyo, voyager, ou... Yo-yo, nager ou jie, huan, se marier. Ces verbes, on ne peut pas utiliser pour faire des pas Ensuite, deuxième catégorie, des verbes qui expriment l'état, comme shi, être, yo, avoir ou être à zài. Troisième euh, groupe de verbes, c'est des verbes qui expriment les émotions, les sentiments psychologiques, par exemple, 喜欢,爱,觉得,看见. Etc. Deuxième point, c'est quand pas tu es dans une phrase impérative, on ne peut pas transformer en pas tu en phrase passive. Et troisième point, il faut faire attention, c'est euh, les phrases avec P. Souvent, il y a un, un sens un peu euh, négatif. Exemple, de son de a tou volé. Ça veut dire son téléphone portable est volé par quelqu'un. Hein, et est volé. Voilà, pas, zi ju, p, zi ju. la structure avec pa et les phrases avec p. J'espère que ma vidéo vous est utile. Je suis Shu. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à la partager et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les news. À la prochaine. Ciao.